Alors bonjour. Ah, bonjour famille Mio qui j'ennuyais, je souhaitais que nous en forme maintenant, bon Dieu qui vivant et qui a régné depuis tout temps et tout temps, qui j'ennuyais. Je souhaitais que famille en forme, classe à l'entrée de la chaos, les jeunes en bonne santé, les jeunes ont un cœur content, c'est tout ça que nous gagnons pour nous-mêmes, famille, toute bagaille en forme pour nous-mêmes. Non pas si mes les inspire, c'est un réel plaisir pour nous ensemble, je ne jeudi. Hein. Jeudi, ah, c'est lundi. Je veux dire, c'est lundi. Qui ça que moi gagne pour? Ouais, je suis tout le même cap travail. Ouais, qui te camarade travail, non, qui te collègue, non. Ok, qui pourra, ouais, c'est le monde pour la première fois, je dis. En pile, l'Américain, il me demande, non, qui ça que nous t'ai fait pendant le week-end, non. Ok, il me demande, non, qui ça t'ai fait pendant le week-end, non. So, je dis, ça que nous allons faire, nous allons faire une petite pratique sur ça. Avec ça que nous t'apprenons, nous pourrons apprendre, dit, mais ça que nous t'ai fait. Pendant le week-end, moi t'ai fait ça, moi t'ai fait ça, moi t'ai fait ça. Ok, c'est ça que nous allons apprendre faire. So, c'est un réel plaisir pour nous ensemble. So, what did you do over the weekend? Qui veut dire, qui soit t'ai fait pendant le week-end? Et puis moi-même, maintenant, qui sait que moi pourrais le faire, moi pour essayer faire conversation avec nous-mêmes pour me capable ouais si nous capable exprimer de ça que nous t'ai fait parce que quand on est pour week-end il y a un peu de monde qui fait propreté nous pour utiliser ça nous pour faire exemple ça propreté il y a un peu de monde dans la communauté donc à l'église il y a un peu de monde dans la communauté non qu'elle fait supermarché yo qu'elle fait provision alimentaire. So, ces bagages, ça que nous pourrons jouer en pile dans ça. Ok? So, je vais faire tout ça avec vous-même. Je vais faire tout ça avec vous, élèves. Ok? Ok, nous allons faire tout ça avec vous. Font un petit temps moins. Nous mettons chez la classe, ça, s'il vous plaît. En aller, parce que jusqu'à présent, vous m'avez utilisé le téléphone, hein, parce que jusqu'à présent, bah ouais, combien de monde qui est monté là, beaucoup qui a les commentaires, yo. Bon, je vais prendre le téléphone, pour me brancher, non, pour me boire plus, pareil, ça, yo. Bon, quand même, c'est un réel plaisir pour nous, ensemble, good morning, bonjour, là, nous faisons des bagages, ça, nous allons sur le tableau, hein. Façon que vous-même, vous êtes capable de dire ça que vous avez fait. C'est ça que nous allons faire là. Ça, vous avez fait pendant le week-end, là. Il y a un peu de monde qui est à l'église. Il y a un peu de monde qui est à l'église. Jusqu'à présent, on est en difficulté pour dire que tu es à l'église. Toute journée, on met l'abdi. C'est church. Church. Faire que tu es beau au monde. Mais jusqu'à présent, élève, c'est toujours même bagaille là. C'est toujours même bagaille là. Il y a beaucoup de films premiers. C'est toujours church. Church. C'est church. Church. OK? Qui veut dire que tu es à l'église. OK? So, en aller, classe, en aller, let's go. Oh, nous allons sur le tableau. Eh bien, ok, moi, nous monter là, pas un problème, moi, qui est-ce qui monte, en aller. Ok. Eh bien, en aller, on a sur le tableau. So, ça que nous allons faire, un verbe que. Verbe que nous voulons utiliser, ça me voit le faire. Moi, je mettais verbe que nous voulons utiliser là pour nous-mêmes. OK? Nous voulons utiliser verbe, mais avec verbe que nous voulons travailler avec verbe go. OK? Et puis, nous voulons travailler avec verbe do, qui est l'autre verbe encore, que nous pensons que c'est plus ça, oui. Yes. Nous voulons plus utiliser verbe go avec verbe to do. Ouais, pas oublier, moi, mais là, toujours dit non comme ça. Il y a trois verbes qui plus importants. En anglais, c'est to go. Ouais, c'est, excusez, c'est verbe to be, to do, and to have. OK? Mais je dis, nous, il faut, ouais, il y a un verbe, ça, ouap, toujours, ouais, en pile, dans le bagage que vous avez envie de dire, ouap, toujours, verbe, il y a un verbe, ça, toujours, paraître. Ouais. Dans le cas, ça, c'est verbe to do. OK? So, nous pouvons l'expliquer, moi-même, je pourrais expliquer, non? Qui ça m'a été fait pendant le week-end? Question, c'est, leur pose une question, ça, mais qu'est-ce que vous voulez m'en dire? What did you do over the weekend? OK, qui ça veut dire? What did you do over the weekend?
Ça voulait dire. What did you do over the weekend? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Là? What did you do over the weekend? Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Là? N'est-ce pas dire, what did you do for the weekend? Mais là, toujours dire comme ça. Le notant des questions, ça y est. Le poser nos questions, toujours vous aurez nous pour nous qui ça que nous tendez avant même que nous faisons tentative pour nous répondre. Qui ça m'a tendé la question ça? What did? Déboutant de ces did, c'est le passé du verbe do. Si vous avez compris son question, il y a une question qui fait en question dans le passé. You do over the weekend. OK? Qui soit fait pendant le week-end? Na? OK? So, qu'on y a là, ça m'a le fait. Ouais, m'a l'idée de répondre avec question ça yo. M'a le commencer avec over the weekend. OK? On a commencé comme ça. Le konsa, ouais, ou bab juste dit, m'de kabab dit, mais ça m'de fait, mais pour répondre pi bien, parce que n'a pas formé noto, ouais, over the weekend, ok, over the weekend, nous besoin parler, m'a fait nous parler, ouais, over the weekend, même ça qui était là, ou transmettre les boys ici, over the weekend, ou à parler de tête ou pas vrai? Soit parler de tête ou à dire I. OK. Many. OK. N'a pas envie go. On allait avec go. I. Est-ce que. OK. M'a dit I go to. OK. I go to. The supermarket. Okay. I go to the supermarket. Okay. Over the weekend, I go to the supermarket. Ça c'est premier bagage que moi. Ça est premier bagage que moi le mentionner. Que moi fait. Bon en même temps tout moi le penser avec un autre bagage. Mais là, il t'ai posé une question. What did? Okay? What did? Mais là, ça dit ça sont question qui n'a passé. Et puis, il y a parlé de week-end nan tout. Week-end nan. Mais, même pas nan week-end. Week-end nan fini hier, ou soit à minuit. Week-end nan terminé. Si week-end nan terminé, et puis m'te wè ou te posé did là, et puis week-end nan terminé, mais ça c'est go. Est-ce que moi capable di go? Pour week-end là qui finit hein, surtout leur t'es posé une question de surtout le verbe là t'es n'a passé. So ces bagages ça aussi analyse ça oui pour nous faire. C'est analyse ça pour nous faire pour nous voir que ah gonye work quelque part là. Si m'a parlé de ça me fait pas dans week-end là, pas qu'à mettre le dans présent. Et ça fait me faire verbe yo, m'ba nos verbe dans présent, dans passé, dans le futur. Quand y a là si ou pas kon verbe, ou fin pa palo bon anglais ki la. Oui, si a tellement mon ap comprendre so di. Mais ou pa palo bon anglais. Parce que y a palé, tane non, moun na pa di what do you do over the weekend? Moun na di did. Pa blie, verbe to do, ok? Et puis le passé a, c'est did. Mais sou pa konne did la, c'est le passé ou pa kon verbe ou. Et ça fait un pile nan nou chire. Did, c'est le passé du verbe do, qui veut dire t'es fait. Did veut dire t'es fait. So yo pose une question, qui sont t'es fait? Qui sont t'es fait pendant le week-end nan? Week-end nan, c'est nan passé, gen pile haïtien qui pa comprenne ça, élève yo. Week-end nan, si ma palo sont t'es fait pendant le week-end nan, week-end nan, c'est passé, je dis à lundi. Tendez. Mais vendredi, même bien, nous comprenons bien. Même nous, on t'a tout dit, on comprend ça, moi, le fait aujourd'hui, là. Ouais, samedi, mais dimanche. Jeudi, c'est lundi. On nous dit, jeudi, c'est lundi. Vendredi, mené. Ça, vendredi, n'a pas passé. Samedi, fait déjà, il n'a pas passé. Dimanche, non, fait déjà, il n'a pas passé. Jeudi, nous, là.
mais présent. So, tout ça, moi, t'ai fait ça dimanche, il y a un temps passé. Si m'a expliqué ça me fait dimanche, faut mettre un temps passé. Si m'a expliqué ça me fait samedi, faut un temps passé. Si m'a expliqué ça me fait vendredi, faut un temps passé. Est-ce que nous comprenons? So, très important pour nous comprendre ça l'on a parlé. Nous pas un concept de temps la caïno. En créole, parce que nous faisons des autres ça, nous pensons que nous capable faire des autres ça en anglais à tout. Non, en anglais pas comme ça. Pensez qui gens que vous parlez là. Vendredi a fait déjà, samedi a fait déjà, dimanche a fait déjà, jeudi a c'est lundi que lié. Non, jeudi a c'est lundi. So tout ça me fait vendredi, samedi, dimanche avec joie avant yo, tout a notre temps passé. So therefore, m'a utilisé temps passé. So m'pa ka mete go qui passait du verbe go. Mais là tu apprends non. Mais là tu dit go, le passé c'est went. Même je t'ai dit pointe. OK? Même je t'ai dit went. Gen en pile nan nou mwen ka prononse l ta kouse want. Ça c'est want, c'est vouloir, ça c'est went. Est-ce que well pronon ouais, li rime avec point. Est-ce que point rime avec want? Non, c'est point. Went, point, point. So en pile moun mwen ka di en pile élève mwen genyen ouais, le m'a fait interview avec yo. Y a by want pour went. Fais respect non. Ça c'est W-E, ça c'est W-A. C'est deux bagailles différents qu'il a. Ça c'est went. Ouais, il rime avec point. Que moi, bah, non, en créole, nous connaissons point. Garde point, non, monsieur. T'as l'air pas bon coup de point. En point. Mais regardez, point. Regardez point, non, monsieur. OK? Et puis ça c'est want. Want, c'est vouloir. Ça c'est passé du verbe aller, ça c'est verbe vouloir. So, therefore, élève yo. Comme ma relation ma qui que moi t'ai fait m'a dit I went to the supermarket. Moi t'ai allé dans supermarket là. OK? I went to the supermarket. Moi t'ai allé dans supermarket là. Qui sont t'ai fait pendant weekend là? I went to the supermarket. Moi t'ai allé dans supermarket là. Qui sont t'ai fait over the weekend? Ou répondre over the weekend. Over the weekend, virgule, I went to, moi t'es allé to the supermarket. OK? Ça, c'est point bien. Est-ce que nécessaire pour m'da dire aussi, I went to, il y a un peu de monde qui t'a fait les civiaux. OK? I went to, il y a mon qui va le dire, the laundry. OK? Et puis, ou pas, il y a mon qui va le dire, I go. Il y a un pile qui va le dire ça. Il y a un pile qui va le dire, I go to the laundry. Et puis, point. Tandis. Ou pas expliquer bagay qui te fait dans le passé. En pile, là, nous faisons voir ça. Si ou pas expliquer bagay. Soit expliquer bagay qui t'est fait dans le passé. Ou commencer là très bien. Ou dit I went. Mais ou continuer à expliquer même bagay que ou t'est fait. Mais pour qui ça là ou décider pour mettre I go. Tandis que là ou t'est mettre I went. C'est dans même ligne là. Oui, c'est dans même ligne passé. Ah oui. So therefore, tout verbe que ou l'employé ou. Après t'es dans ta passé, ou pas qu'à décider de me changer ça, bah mettez ça au présent, bah mettez ça au passé, bah mettez ça au présent, bah mettez ça au passé, bah mettez ça au présent, bah gars, y'a pas fait comme ça. C'est I went, qui veut dire moi t'es allé. I went, moi t'es allé. OK? So, m'a qu'à dire I go, parce que m'toujours été dans le passé, hein. M'toujours été dans le temps passé, hein. So, élève yo, ça a toujours été went, parce que faut toujours qu'on ait ou à parler dans le passé. Si m'a parlé toujours dans le passé, faut me toujours capable de continuer avec I went là. OK? I went to the laundry. OK? Gien pile monde famille mio qui pourra dire laundry. À qui ça qui laundry? Tout journée m'a expliqué non ça. Laundry c'est rad sale ou retirer sur ou. Est-ce qu'on caler dans rad sale ou retirer sur ou? Non, ou pas caler dans rad sale ou retirer sur ou. À moins que je prenne bon centre square ou remet centre square, centre zone, yon ba eza yo. Non. Ou pas qu'aller dans laundry, mais des fois, ou pas aller dans laundromat.
qui c'est lieu là. Laundromat c'est côté où fait lessive là. C'est côté où elle fait lessive là. Est-ce que nous là laundromat. OK, laundromat. Ouais. On a dit on nous lit ça encore. Over the weekend, dans le weekend, non, I went to the supermarket. Moi, j'étais allé dans le supermarket là. Et puis, au capable de dire, I went to the laundromat. Moi, j'étais allé dans le laundromat là. Mais, il y a un autre bagage que au capable de faire tout. Comme nous faisons pour commencer, comme niveau anglais, anti-genre. Anti-jan poko fin avancé. Oui, ou capable de faire répétition ça. Mais le niveau anglais ou pour commencer à avancer, ou pas besoin de faire répétition. Donc, comme te dit, I went, pour me répéter, I went là. OK? Pour me retourner avec I went là. Mais ça me capable de faire, ou pas besoin utiliser I went là encore. Ça me capable de faire après supermarket là, hein? On est capable tout éliminer went ça et puis on est capable dire over the weekend virgule I went to the supermarket et puis on est capable dire then ouais au lieu pour mal répéter I went là est-ce que nous ouais on est capable dire then qui veut dire après then ouais to the laundromat. OK, over the weekend, I went to the supermarket, dans le supermarket là, virgule, then to the laundromat. Et puis, dans le laundromat là. So, then ça, vin, coordination ça, ça vin fait pour, li vin faire pendant, li vin connecter deux phrases, sans, et puis vin faciliter pas faire, yon répétition, pour al di I went. OK? I went. OK? Over the weekend, I went to the supermarket, then to the laundromat. OK? Et puis après ça, je suis dans le laundromat. OK? So, très bien. Ça, li en forme. OK? Ça, li en forme. OK? Font titan moins classe. Ça, li en forme. OK? Then, on veut dire après. OK? Et puis, il y a un pile monde qui ça un pile l'autre monde faire. OK? Qui ça un pile monde faire? Il y a un monde qui t'a simplement dit comme ça, I. Il y a un monde qui t'est capable de dire, I went. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a un monde qui t'est capable de dire, over the weekend. Pas oublier ton nom. Over the weekend, I went to work. I went to work. Over the weekend, pendant le weekend, I went to work. Je veux dire, je vais travailler pendant le weekend. Over the weekend, I went to work. Pendant le weekend, je vais travailler. Over the weekend, I went to work. Pendant le week-end, j'étais au travail. Et puis, je suis capable de dire then, ou soit and went. Je suis capable de dire ça tout. And non, c'est parce que je suis toujours parlé de tête moins. Ou soit and went to church on Sunday. On Sunday with my family. Over the weekend, I went to work. M'dal travail. And went to church on Sunday with my family. Okay. Over the weekend, I went to work and went to church on Sunday with my family. Et me capable dit and I went to it, but me cherchais pas éviter, me cherchais éviter I là parce que me te gain ta mentionner li là. Me capable retirer went là tout, me capable dit then on Sunday, ou me capable dit and on Sunday we went to church. OK? So gain plusieurs façons, tout ba la pour dépend du style.
Ouais. Tout bas, la dépend du style. Over the weekend, I went to church. Rosa, Lina dit comme ça, over the weekend, I went to church. Ok, over the weekend. Mes amis, fais respondre. Regardez comment weekend a écrit. Mais écrit weekend, là, comme ça, regarde qui j'en écrit weekend. Là. Weekend pas écrit comme ça. Wolf Maurice, fais respondre. Mais qui j'en a écrit anglais là, non? Franchement, je comprends l'anglais ça yo là. Je comprends l'anglais ça yo là. Prends son, écris bagay yo bien. Yeah. O Nelson dit rete. Ah, mais c'est ça, je comprends ça la écrit yo là. Gale son petit moun ou bay téléphone là. Fais respect yo. I say, yeah. So, très bien classe. Ok, over the weekend, I went to church and to school. Ouais, over the weekend, I went to church. Ouais, n'importe quoi tout y aller à. Bon, mais si web, si m'gaba prend quelques élèves pour faire conversation avec yo. Si nous collons en route, mais la va aider nous. Ok? On nous fait pratique conversation. Parce que je dis à là, nous capables de faire ça. On nous fait pratique conversation. Bon, moi, si m'gaba prend quelques monde qui pour, qui est-ce pas moi qui quelques monde que nous capables de prendre là? Qui est-ce qui veut me relayer yo pour nous faire conversation avec yo? Mais là, on veut prendre quelques monde là. Qui est-ce qui voulait mettre la relayo pour mettre la faire pratique anglais avec yo? ouais, mais ça m'a dit, regardez, plap on dit, moun li écrit I want to church. Comment I want to church là? Moi, et ça m'a pas l'air d'aller là, oui. Moi, dis non, suspend ou pas dit want. Comment want en W-A-N-T? C'est want. Eh bien, ok, Claudia, m'a essayé prendre Claudia. On va essayer de prendre Claudie et puis ça, on a essayé avec l'autre monde. I went. W-E-N-T. C'est comme ça que je l'ai écrit. Pas un monde qui ou pas toi m'écrit I want. Attendez. Moi, je prends ça, m'écrit sur le tableau pour nous-mêmes. Et tant que je prends ça, m'écrit sur le tableau, il faut qu'on prenne son tour pour regarder ça qui écrit sur le tableau. Oui? Parce que ben, la Bible vont sur le tableau et m'écrit plusieurs fois. On va pas faire erreur avec lui. On va pas faire faute avec lui. Ok, très important. Ben, la écrit sur tableau, li devant, ou pas capable de faire faute avec lui. So, ouais, faut capable de lire, so, ouais. Ok. So, jusqu'à présent, moi, m'pas qu'à, ok, m'voyer, Claudia, m'voyer demande là, ou même, m'voyer le sac passé. So, over the weekend, I went to, mais côté m'te allé, I went to work. Moi, dis non, comme ça, c'est work, 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 work. Là, gen mon nakap dit, I went to work. I went to walk. Non. L'eau à marcher, c'est walk. OK? W-A-L-K. Mais ben là, c'est work. OK? On va essayer avec Bianca pour moi qu'on y a là. Peut-être, ben, on est si c'est côté pas, si c'est côté pas, non? Ben là, c'est work. 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 Je vais dire ça. Bon, il est qui te fait me songer, je vais dire ça. Fais donc quoi beau, madame, que autant vie beau. Work. Work. OK? Work. Work. Work, ok? C'est comme ça que nous faisons, ok? Work, work, work. Travail, travail. Work, work. Ok? Prends ça, nous. On écrit le concept pour nous. W-E-U-R-K. Work, work. W-E-U-R-K. Ouais, c'est comme ça pour nous prononcer. Eh bien, ok. Mais si vous tirez Wi-Fi, là, moi, le si ça capable de faciliter, non? On fait ça puis bien, on allait, bon, regardez, c'est work, W-E-U-R-K, ouais, work, 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 travail, travail, work, work, ouais, je me fais mes bouche-moi, m'pointu bouche-moi, ok, m'pointu bouche-moi, et puis me dit work, ok, Viviane, m'a essayé avec vous, m'a contre ça qui a passé, non, m'a tiré Wi-Fi là, il dit connection failed. Bon, pas, et même moi, ni Wi-Fi, moi, ni Internet, téléphone, moi. Bon, bon, gardez 15, si ça va marcher. OK. Work. OK. Work. 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 Qui veut dire travail? Le nom de travail, c'est notre mode de travail. Il faut nous capables de prendre qui j'en pour nous demander de travail là bien. C'est work. 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 OK. Qui veut dire travail? C'est ça. So, pas oublier, j'en que m'dabdi noa, expliquer ça que vous avez fait pendant le week-end. Le week-end a passé déjà. So, therefore, tout ça qui était passé déjà, vous devez être capable de mettre dans le week-end, dans le temps passé.
soumettre dans le temps passé, ouais, ça veut dire ou pas expliquer bagay qui était fait déjà. Ou pas cap expliquer bagay qui pou fait, ou pas cap expliquer bagay qui pou fait, OK? Ou pas cap expliquer bagay qui était fait pour mettre dans le temps présent. Bagay la fait déjà. Qui sont fait pendant le week-end? Non? Over the weekend, I went. M'ba di want. Want, c'est W-A-N-T. Went, c'est W-E-N-T. Qui rime, qui gagne même son avec point. I went. Moi, t'es allé. Tout t'es allé. C'est I went. Si c'est l'église, church. Ou ferme bouchou. Ou baka ouvri bouchou pour abdi l'église. Ou ferme bouchou, le abdi l'église en anglais. Ou pointe bouchou et ou ferme elle. Church, ouais, l'église. Mais de pourquoi on peut dire li, ou besoin mon ouais belle chaîne d'être gain ou pas bien dire. Ouais. Pointu bouche moi, sou besoin dire l'église bien, chrétien yo. Ou faire comme ça. Et vous fermez bouche ou dit church, l'église et pour finir. Fermez bouche là. Pointu li. Quand vous voyez le beau mari ou madame, et vous faites comme ça. Church. Même si on fait le beau mari ou madame, que vous ne trouvez pas longtemps. Ou soit que vous avez envie. Ouais. Church. Work. Est-ce que nous, ouais? Deux mots, ça y est, on peut l'abîmer, non? Mais c'est nous-mêmes. c'est nous-mêmes qui comptons qui j'ai pour nous faire. Ouais, c'est nous-mêmes qui comptons qui j'ai pour nous prononcer. Yo. Ok? Bah, il n'y a pas difficile. Bah, il n'y a pas difficile. Et puis, l'autre bagage que nous sommes capables de faire. Ok? Good morning. Morning Joe. L'autre bagaille que nous sommes capables de faire, les vieux, nous sommes capables certainement prendre un livre, nous sommes capables sur Google, taper verbe, taper non ça, church, taper work, travail, ouais, marquer W-O-R-K, définition. Au bois, ouais, ou pas, ou pas, ou pas, et pour répéter. Ça pour nous répéter, nous va répéter. Ça pour nous répéter, nous va répéter. Même vocabulaire haïtien changé. Ça pour y répéter, y va répéter. Mais ça pour y pas répéter, y a répéter. OK? C'est ça. Répéter ça que ou connaît qui bon. Ouais, moi dis church, l'église, work, travail. OK? OK. Tendez non, gon élève qui dit comme ça, I was your night teacher. Tandis. Kounya la, met la parent de menti moun, mais met la capable de menti oui, en anglais ça. Tandis. Bagay la se, Tafara Maxwell, good morning. Tandis. Ou di, I was your night teacher. Et vous êtes teacher, bah ouais. Qu'on y a là, pour yon monde qui connaît anglais li bien, ou soit assez bien, moi je dis, oh, ça pas fait sens. I was your night, c'est un côté capable de dire en français, j'étais votre nuit, professeur. Teacher, professeur. Au soir, on dit moins tes nuits tout mettre là. Moins tes nuits tout. Oh, on élève ça. On dit oh, ça élève la parler là. Ok. On dit qui ça élève ça? Qui ça? Qui histoire élève ça? Qui histoire élève ça après raconter là? Tenez non. Eh bien, c'est ça qui fait l'important élève pour nous prendre leçon privée avec moi. Pour nous prendre leçon privée avec moi, hein? Parce que le blanc parlait et sortant, mon attendait, I was, c'est ça l'attendait. Mais ça que yo dia, c'est how, was là toujours bon, c'est how was your night, c'est how. How, comment a été la nuit? How was your night? Qui j'en nuit la te? How, comment a été la nuit?
Qui j'en nuit là, t'es how was your night? C'est how, c'est pas I. I was là, c'est j'étais, moi t'es. Ok? Il n'y a pas de sens ni en créole, ni en français, ni en créole, ni en anglais. C'est comment a été la nuit? Qui j'en nuit là, t'es? Ok? C'est how was your night? Ok? C'est très important, élève, très, 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 très important. Ou essayez de bagage, c'est ça anglais à faire, nous essayez de bagage que nous pensons que nous attendons, mais ce n'est pas ça que lié du tout. Ouais, mais l'école, le jeune professionnel comme M. Budel, ou vin tende, ou vin ouè s'entende, ou vin comprendre s'entende. How was your night? Et pas oublier, son question, tout ça qui sont questions, il doit finir avec un point d'interrogation. Interrogation veut dire wap interroger yon moun, wap questionner yon moun. So depuis c'est questionner, wap questionner yon moun, ou soit yon moun, wap questionner yon moun, li doit finir avec ça. Très important. Ok? Ok? C'est ça. Ok. C'est ça. Gwen élève qui m'a dit pour faut passer sur verbe to be. Mais ça pour ta faire. Moi, y a verbe ça déjà quelque part. C'est nous-mêmes qui créer le temps. Faut nous créer le temps à l'étudier autour. Non, pas un problème. Darling, anytime. Faut m'aider nous pour nous capables de comprendre. C'est how was. Ok? Ok. Gwen élève qui dit comme ça. Claudia dit comme ça. I went to church, then I sleep because it was rain. Ok. Ok, pas oublier, non, ou dit I went to church, mais pour qu'ils ne pas dit, qui passe du verbe sleep? Ok, faut nous connaître le verbe yon en passé. Ok, le passé du verbe sleep, c'est slept. Ouais, I slept, many. C'est ça pour ton dit, I slept all day. Moi qui dormi toute journée. Ok. Yeah, c'est très important pour nous comprendre bagage ça. Très important classe, très important. Ouais, très important, très important. Eh bien OK, bon m'effacer ça, bon me dire non l'autre bagaille. Bon me dire non, let me tell you what I did for my moi. So, how was my weekend? OK. Comment weekend noté? What did ouais? Moi-même, moi, dis nous qui s'acculte, it was, pensez-t'en à moi, on me dit Sunday, ou ça me dit yesterday, yesterday, ouais, yesterday was, ouais, yesterday was. Ça que fait me connaître pour me dire yesterday was, c'est parce que moi connais, c'est it was, je dis, it was. Quand il y a là, it là, mettre la terre appelé moins, mettre la terre apprendre moins, non, verb to be, it là veut dire n'importe bagay. Mais si m'a parlé deux jours, m'a pas dit he was, pas vrai? M'a pas dit he was. Si m'a parlé de hier, m'a pas dit she was too. Parce que m'connais he c'est monsieur athé, she c'est fille athé. So m'a parlé deux jours, c'est it, pronom it m'a remplacé. C'est it was. Mais si m'a parlé de hier, m'a pour tirer it là, parce que it là veut dire bagay là, ou soit chose là. M'a pour tirer it là, et me mette yesterday dans place it là, et même que me verbe là. Ok, plap. So, ça fait me connaître pour me capable dire yesterday was. Faut qu'on verbe yo. Ok? Yesterday was my mother's. Ouais. Ça sont le bagay qui est important encore il est vieux pour nous connaître. N'importe le où est ça. Dans fin de phrase, ça c'est appartenance. Appartenance. OK, c'est comme ça? Appartenance. OK. Appartenance là, c'est on ouais, appartenance là dans qui sens. So, ça veut dire ça pour appartient avec un monde. On va l'expliquer non. Ouais. C'est un possessif qu'il a, son possessif qu'il a. Possessif, OK? Possessif. Ou soit en anglais possessive, dit bon VE. So, on va dire my mother's birthday. Et comme ça anglais aïe,
my mother's birthday. OK? So en français on t'a dit fête maman moi, en français l'anniversaire de ma mère. Ouais, mais en anglais comme nous tellement habitués, n'a pas en français, n'a pas en créole. Ouais, so en anglais yo dit ouais janvier mother's birthday. C'est mother's birthday. Mais en français nous t'a dit it was my anniversary the birthday, mais comment t'a dit en français ou soit créole, birthday of my mother. Est-ce que nous ouais? Et qu'on savait que nous t'a dit en français birthday, l'anniversaire de ma mère, birthday of my mother, ou soit fête maman moi. Américain bagay tout bagay ça pour appartenance. Américain bagay tout bagay ça pour l'abdou birthday of my mother. Pour yo pas dit ça pour Américain abdi ouais ne de pour gagner appartenance là pour moun bagay là appartient nan fin ou pour elle mettre un contracté S. Américain met ton contracté S nan bon anglais. Yo meton contracté S et puis y a meté ça qui pour mon là qui s'est fait là. Est-ce que nous ouais? Ah merci mon dans dit mon yo chaleur rendu pour mettre la dégager les là pour nous et puis pour nous beaucoup kabam ka. Wap suiv monez. Tenez non. Merci Monez. Ouais, n'importe le que ou besoin dit on bagay appartient avec yon moun, on va pas l'en décrire li konsa, j'en ta fait li en français ou soit en créole. On va pas l'en toute littérature sa yo. So, ça qui pour moun bagay la appartient, ou mette yon contraction S-S-A, et vous mettez ça qui pour moun nan. Bam toi entre dans le leçon ça avec nous. Ouais, si on machine, on t'a dit la voiture de Burdell. Donc, on t'a dit la voiture de Burdell. La voiture de Burdell. OK? Ou soit la voiture de Burdell. Qui soit dit, on dit Burdell's. Est-ce que nous, ouais? Burdell's, excusez, Burdell's car. Est-ce que nous, ouais? Appartenance. Burdell's car. So, Burdell là, c'est pour mon bagay la appartient. Et puis, qui ça qui a? Et vous mettez contracté S là, et vous mettez objet qui appartient à Burdell là. C'est comme ça américain fait li. Et comme ça anglais a fait li. Ou est français a tout, en toute littérature ça yo. Oh, ça c'est machine Burdell. En français, en anglais, nous dit Burdell machine, Burdell's machine. Et comme ça nous dit en anglais. Oh, ça c'est machine, meni. Ça, c'est machine. Ça, c'est machine Burdell. Américain, bagay tout bagay ça. Américain, dit Burdell machine. Burdell machine. Et puis, le fini. Mais comment anglais, famille bio? Américain, dit Burdell's machine. Et puis, le fini. La voiture de Burdell. Ça, c'est machine Burdell. Non, Burdell machine. Et puis, le fini. Et qu'on s'allie. Anglais simple. OK? Many. Ouais. La femme de Maître Burdell. La femme, ou soit l'épouse, la femme de Monsieur Burdell. Ou soit l'épouse de Monsieur Burdell. Pas dans tout bagaille ça. Burdell, pour qui est-ce bagaille là appartient? Vous mettez nom moun nan d'abord. Burdell's wife. Et puis fini. Est-ce que nous a causé Burdell's wife et puis le fini. Bon, nous entrons dans le son. Regardez le son, ça porte non dans l'autre leçon. OK. Burdell's wife. Le cellulaire de Burdell. Le cellulaire de Monsieur Burdell. Ça, c'est téléphone. Mais Burdell. Américain va nous parler ça avec vous. Américain, on dit comme ça, Burdell, pour qui est-ce que Burdell, qui est-ce que pour Burdell là?
Bridal's phone et puis fini avec eux. Est-ce que nous ouais? Et comme ça oui. Pour qui est-ce bagaille là, il y a ou mettez nom moun nan et vous mettez en contraction et vous mettez S et vous mettez qui ça pour moun nan. That's it oui. Quand les gens m'apprennent nous contracter bien vite. Ouais. La fille de M. Bedel, ou t'avais petite fille moins, la fille de M. Bedel. Oh, ça, c'est petite mère Bedel, oui. Petite mère Bedel, oui. Et puis, on met ton oui d'elle, oui. On va prendre ses questions. On va prendre ses questions. Et sur mon nom, on va prendre mon nom de Dieu. Est-ce que ça, c'est petite Bedel? Oui, ça, c'est petite mère Bedel, oui. Américain va dans grimace avec vous. Il dit, Bedel's, pour qui est-ce petit là, Bedel's daughter. Menik, bâton. Bedel's daughter. Et puis, that's it. Est-ce que nous, les gens anglais, aïe, famille mio? Et puis, le fini. Pour qui est-ce bagay là, y a ou mette nom mouna d'abord? Et puis, ou mette contracté, contraction? Et vous mettez S et vous mettez ça qui pour mon nom. OK. That's it. OK. Et comme ça, oui, élève yo. Contracter S là. Contraction. OK? So, est-ce que tout le monde comprend ça? Junior dit, wow, ça, belle, m'bat, j'aime comprendre ni vrai, non? Moi-même, depuis on a suivi classe ou junior, Goylef qui m'a dit, Junior, depuis on a suivi classe, on va foutre, il va comprendre l'anglais. OK? Goylef qui dit, pour ça, mettez S là-dedans, parce que il n'y a pas plusieurs. Au fond, on va dire, quand on a S là, si S là, attendez, anglais est différent avec français. Si S là, tu es là, nous avons parlé de machine, yo. S là, ou est le côté contracté à IA? Est-ce là c'est côté? Est-ce là c'est appartenance? Contracté, est-ce là c'est pour moun bagay la IA? So, therefore, ça va faire le pluriel. C'est s'il t'en objet yo. L'état pluriel. Pas chercher comprendre français, anglais, gens qui comprennent français, wap chire. Pas chercher comprendre français, anglais, gens comprennent créole, wap chire. OK. Oh. OK. C'est comme ça que nous fait li. De voir chercher comparer yon a clot, chercher traduire yon a clot ou ap chire. OK. Zapalo di li à l'aise. OK. It's beautiful. Daughters, yes, c'est ça. C'est comme ça que nous fait li. Le nous besoin di yon mara ki pou yon moun, tant que ouais, m'a dit yes, c'était fait maman. Ouais, yesterday was my mother's birthday. Yes, c'était fait maman. My mother's fait qui est fait maman. My mother's birthday. OK. yeah, ta fara son, yeah, it's good. Yeah, c'est comme ça. Et comme ça, et ba me fait nous comprendre anglais. Dès moi suivre, dès bon oreille, on comprend ni. Dès bon on a suivre moi, on comprend ni. OK. OK. Dès bon suivre, on comprend ni. Yes, dès bon suivre moi, on comprend ni. Et puis, attendez, non. Yon l'a bâle que ma bâle. Si, on a dit, on a parlé de Carlos, pas vrai? Yon bâle qui appartient à Carlos. On a dit, on a dit, c'est Carlos. OK? On a dit, on a parlé de Madame Carlos. Quand pe moun ki fè ewe sa, oui. Quand pe moun ki fè ewe sa, yo. Si m'a parlé de Madame Carlos, c'est comme ça m'a fait libre, ouais.
m'a dit Carlos et comme ça n'a pas des moins élèves et des non s'il n'a pas les deux on m'a qui appartient à Carlos pas vrai c'est donc s'il n'a dit au soir apartment ça y est ok apartment ok s'il n'a pas dit appartement appartient avec Carlos et comme ça m'a écrit les élèves moi non. Est-ce que c'est comme ça m'a écrit si m'a dit bagaille là ça c'est ma dans Carlos, ça c'est appartement Carlos. Comment m'a écrit lui? OK, Guadeloupe branché, bienvenue. OK. OK. Tenez non. Ou konn bagay, le li fini, gen pile moun ki fait, gen pile moun ki écrit le comme ça. Bamba nou kozi a. Gen pile moun ki écrit le comme ça. Mais tenez non. Le nom fini avec yon S, par exemple Carlos là, ou pas besoin mettre S ça encore parce que c'est trop S. Ça son règle qui gagne. M'a dit c'est Carlos apartment. Des fois on écrit comme ça qu'on est mon enfant erreur. Mais bon anglais I love you. Many. Depuis non fini avec un S, on pas besoin mettre apostrophe SDL encore. Depuis bagaille là, des fois elle finit avec un S, on pas besoin mettre un autre apostrophe S encore pour possession. Yes, wap juste mette Joe getan bay li. Wap juste mette Carlos's. Lap toujou Carlos's, oui? Carlos's apartment. Carlos's. La prononce donc Carlos's. Il va faire Carlos's apartment. Carlos's apartment. Donc, ou prononce li, mon papi kril kon sa. Est-ce que nous a causé? Eh bien, si on nou pa l'école, kon devoir l'apprendre bagay sa? Wap toujou di, oui? Carlos's. Apartment. Son là, oui, mais li pa la nan écrit. OK? Exact. Ou ben, gon moun ki di Evans. OK, très bien. Evans. Yeah, Evans fini avec yon S. Evans wife. Ouais, Evans's wife. Evans's wife. Ça, c'est Evans. Tandis, ça me dit Evans's wife. OK? Evans's wife. OK. Gen se di, wow, I didn't know that. Well, now you know. Ou devon professeur ki kalifye la kap pote le son sa ba ou ala. Evans's wife, sa se madame Evans. OK. Yeah. Petit boss ou vin visite. She's. OK. OK. Oh, she's my boss's, fati ta mwen. Yeah. My boss's daughter. Ay, petit madame moi. Non, petit boss moi. Mbaraka, bon, kode moi la avec anglais sa pou mdal di boss's boss. Mda tout pou, pito mne tout di boss. Oswa, boss. Et trop cause. Boss's daughter. Yeah, go mon kid. Yo bam Denis, yo bam Dennis, yo bam Jonas. Ami ala Bible tout non, mes amis. Même nous entrer dans Bible avec ngonya là. OK. OK. Yeah. OK. Non, c'est ça. OK. Gen Marvin's tout. Marvin's. Tout ça, yo, élève yo. C'est juste contracté à. Devine fini avec yon S, mette contracté à seulement. Pas mette l'autre S là. En gros, élève qui dit, est-ce qu'on va faire une phrase avec laundromat là? Yeah, the laundromat là, I am going to the laundromat. Et pour finir, I am going to the laundromat. Et puis, ça me toujours dit, moi toujours dit, mon comme ça.
Tande non, m'toujou di non fon sa, tande. Clarence, wè, tout sa ou gen S. Tande non, m'toujou di moun sa. Wè, Etats-Unis, moun ki a les anpil la, li pal de yon pou la fè londril. Tande sa. M'de kan la fè londril de yon, lontan. Mais moun ki a les Etats-Unis, li pa bezwen de yon pou la fè londril, parce que londril a tourna kay la. Wè. Ou soit londjou mat la, tou la kay la. Ou soit bayo, tou la kay la. Tande non. Ou pas besoin d'abdi moun, oui, certainement, gen pile grande ville métropolitaine yo, nan New York, nan Boston, gen se de côté, li pa même fait sens tant que sou gen, sinon ria tout de là, tout devant, pa tout bon kole la kao, pa gen parking, ou etan kon nan zon métropolitaine yo, nan New York, en pile moun nan New York, moun ka vive dans Manhattan même, ba transportation tellement. Tellement, c'est pas dans la transportation tellement en forme, tellement reliable veut dire, je vais tout mettre ça pour nous, reliable veut dire, capable de compter sur lui, reliable, mon autre vocabulaire, reliable, on m'a dit capable de compter sur lui, ok, reliable. So, transportation tellement reliable en New York, dat gen pi moun ki pa santi nesesite pou yo ta wè jan map chwe pou nou elèv yo. Gen pi moun ki pa santi nesesite pou yo ta gen vwatyr. Men m toujou di nou kon sa, lè nan pale de moun pa bezwen konnen nou wat soti dehò pou nan fè lesiv. Jus di moun nan m'ap fè lesiv. Jus di moun nan I am doing my laundry. Moun nan pale avèk paske pi lè nou bay moun nan trop piti detay, se le detay nou bay moun nan, moun nan gen tan vin gon notion de façon que n'a vive. OK? Mon n'a gata gon façon que y'a vive. Y'a mon n'a pas besoin qu'on ait que c'est dehors sorti pour aller faire lessive. Juste dis mon n'a, un tel soit fait là. I am doing my laundry. Sous croisé avec mon laundromat là. Ou est avec? Même ma wadjou ma laundromat pour me laver la boîte. Mon n'a pas besoin qu'on ait ça. On comprend? Mon n'a pas besoin qu'on ait ça. On comprend? C'est ça. C'est comme ça. Et comme ça que moi pensé li, et comme ça que moi pensé li, moi ouais li, peut-être l'autre n'est pas capable de l'autre façon. Mais j'aime dire là, États-Unis, monde qui est à l'aise, il a tout fait l'entrée la caillou, tout fait l'issue la caillou. OK? Mais ou même l'a fait tout, je fais mon connaît que on pas gain la caillou. So, toujours dit, I am doing my laundry. Ou après, je dis, I am going to the laundry mat. Ou soit, et tel coton est là. Non, laundry à là, oui? Non, et tel coton est là. Soit fait, coton est là. Ma fait laundry. Ma fait laundry. Entel, koto e la, mwa fè londri. Non, pa pe jwè di moun nou wa fè londri. Entel, koto e la, ma fè londri. Se pou fini, pa pe jwè di moun nou lan londri woman. Ok? Très important. Yeah, c'est ça. So, trop vie privée, non. An ali, ki lop baga anko? Bon, fini avec phrase que mwen ta fè a. On fini avec phrase que mwen ta fè a, il est vieux. So, yesterday was my mother's birthday. Ok? Mais ça m'était fait pendant le week-end, non, avant que moi j'ai terminé. Yesterday, thank you. Ha. Merci. Ouais. Madame, mette la gade, mette la. Madame, mette la, ouais, mette la souhait. Madame, mette la boule de mouchoir pour m'sier figim. L'on bon, madame, ou à comprendre, non, l'on bon, madame, ou à comprendre. Ouais. L'on bon, madame, ou à comprendre. Ok, monsieur. Allez. Alors on porte mon choix là, si je figue moi, elle connaît bien de l'eau. Ouais, bien de l'eau, bien de l'eau, bien bagarre moi là. On allez, là bon madame moi comprendre. Cherchez bien bon madame, OK monsieur. Cherchez bien bon madame, bon mari. On allez. Ah. PPPP dit me souhaiter en paix. Ouais, je m'a souhaiter pour nous. Ouais, il tellement fait chaud là. Il tellement fait chaud là et devant la caméra d'Achita, oui. Na ici ya, ou soit, ya c'est ça. Même bien na pour nous. Yesterday was my mother's birthday. Hier c'était fête maman moi. Ouais. We had a birthday. We had a birthday party. Oh, ou soit we had a. OK, bon fait, bon mettre ça puis bon. We had a surprise. We had a surprise birthday
party for her. M'a campé là parce que faut m'aller classe. Hier c'était fête maman moi. Yesterday was my mother's birthday. Hier c'était anniversaire naissance maman. We had a surprise birthday party for her. Nous t'ai gon belle petite fête pour maman. We had a surprise birthday party for her. De qui est-ce m'a parlé? C'est maman. Madaka dit for she. Depuis phrase la fini c'est avec pronom ça pour le fini. C'est avec her pour le fini. Madaka she. OK? Yes. Yeah. So we had a surprise birthday party for her. OK? We had a surprise birthday party for her. Okay? Yeah. Yesterday was my mother's birthday. We had a surprise birthday party for her. Nous avons une surprise birthday party pour lui-même. Okay? Yesterday was her birthday. Okay. So, class, m'wal kite nou ale. Mais ça que moi pour le faire. Moi, bien pile dans nous cap écrit moi, mais malheureusement, pas de temps pour m'arriver sur message à l'heure. À partir de demain si Dieu veut. Moi ba nou yon numéro, mais la poil gain, mais la poil gain un secrétaire qui va l'aider li. Un secrétaire moi qui va l'aider moi. Et puis ça que nous pour le faire, le nous reler maintenant. Le nous pour le reler tout ça que m'kan fait avec nous, li pour le faire pour nous-mêmes. OK, prend information nous et même normalement des ces monde seulement qui sérieux qui relé moi parce que quand plus monde qui reler pour faire monde pour faire mettre la parole en pile. Ouais, ou pour aller reler moi, leur fin reler moi, ça que m'a fait ou aller les numéro et puis m'a bon l'heure ou capable reler les fini. So demain si Dieu veut m'a pas nous plus information. Eh bien quand plus monde qui craser téléphone moi là m'a capable parler parce que formal parer pour l'autre classe 10 heures là et puis après ça m'a une classe à midi, après ça m'a une classe à 5 heures. So dans les noms. So pour monde qui besoin mettre là. OK, m'a mettre le numéro de téléphone moi là. Le téléphone moi là, 7855808833. OK. Mais numéro mettre là. Relève seulement monde qui sérieux seulement qui pour relève. Ouais. Et monde qui relève, gars, j'aime ça parler en pile là, m'saute souhait, nous peut gars monde qui va relève, yo faire souhait, yo faire parler en pile encore. Non. Monde qui sérieux, monde qui besoin leçon, qui besoin livre. En passant, moi demain si Dieu veut, get quelque monde moins de livre en français, anglais. M'a fait nous joindre yo demain supposé entrer et puis capable commencer en ship livre yo à Otoyo. OK. So, moi même son monde qui vraiment chanceux parce que me groupe pour madame moi-même. Ouais. Me peut pas parler de fête maman moi hier, moi-même avec madame moi nous t'ai pour aller sortir avec maman pour aller manger dans un restaurant pour nous manger avec famille. Mais qu'on a l'ouvin décidé tellement vinn gen monde qui vinn qui t'a voulu participer dans fête là, nous vinn décidé faire un surprise party pour maman là caï moi. Et puis moi gen bon madame et même gen bon belle-mère tout. Il y a la belle-mère mettre là avec madame mettre là camper là. Yo travaille en pile, yo travaille en pile en pile en pile pour yo t'être capable faire une belle surprise party pour maman là quand moi. Imaginez ça. Yon belle-mère haïtienne qui c'est maman moi, j'en connais qu'en pile monde dans société, dans communauté qui pas tolérer belle-mère, soit belle-mère pas tolérer belle-fille ça yo. Et puis maman madame moi encore ouais Lila li campé avec madame moi, me vraiment apprécier ça. So madame moi chanceux, son est qui chanceux en pile. M'a vive dans moment ça là. Maman madame moi c'est relé maman relé maman comme yo tellement bien. Et puis maman maintenant li gen belle fille qui c'est comme elle et tout parce que le baptisé dernier petite noir. Sont content. M'dit bon Dieu merci pour ça et puis m'ta souhaité, m'ta aimé ouais ça dans l'autre famille. Ouais. Mettez tête nous ensemble famille mio. Depuis n'a vive là, pendant que n'a vive là, c'est arranger nous vivre bien. Ouais. Arranger nous vivre bien. Ça fait plaisir famille mio pour moi là ça. Moi madame moi camper avec maman li à préparer manger ouais puis font surprise party pour maman pam. Je me dis bon Dieu merci. Et chaque jour, je me dis, maman, madame, merci. Et je suis toujours reconnaissant envers ni maman, madame, moi,
ni madame ouais pour ça. OK, bon Dieu bénim. Bon Dieu bénim. Ouais, bon Dieu bénim. Même si m'bat gien rien dans la vie, ça seulement fait ma vie vivre famille mieux. Bon Dieu bénim. Et m'ta souhaité que nous même cap suivre classe là là, si c'est une belle fille que nous y nous chercher arranger relation nous avec maman Marie. Si c'est une belle mère que vous y est, ou chercher arranger relation avec belle fille ou si c'est un beau fils ou y est, madame ou y a problème avec madame avec maman ou chercher arranger relation ça ou, parce que c'est ça qui fait belle vie, c'est ça oui qui fait mon belle là, c'est ça qui fait, c'est ça qui fait, c'est ça qui fait mon monde leur capacité et habilité pour capable vivre avec bien, pour capable vivre bien avec monde. Moi maintenant que mon Dieu béni non pas cacher dire non m'a vivre bien les yo. Ouais, m'ai trois femmes ça yo. Maman, madame, moi, maman, qui fait ma vie bien avec, avec Timon, moi, ouais, avec deux mesdames, moi, cinq filles, bien entourées, bien entourées. Dis mon Dieu, merci pour ça. Que mon Dieu bénisse, non. Moi, maintenant, n'a pas de merci, Dieu veut. Bye bye.